Hey, salut à tous, c'est NT, on se retrouve pour le 18e jour sur Animal Crossing New Horizons. On va aujourd'hui acheter des navets, oui, puisque Porcelette est là. Donc forcément, ça c'est une séquence qui a été tournée ce matin, parce que ce matin, je suis allé chercher Porcelette. Et vous allez découvrir combien de navets j'ai acheté. En fait, même moi, je ne sais pas combien j'en ai acheté. Je sais pour combien j'en ai acheté, je ne sais pas combien j'en ai acheté exactement. On va découvrir ça ensemble. En tout cas, aujourd'hui, on a encore pas mal de choses à faire, notamment au niveau des aménagements, mais écoutons Marie qui parle. Bonjour à tous, chers résidents de Lille. En ce dimanche 5 avril 2020, il est actuellement 9h17 sur notre belle Entil. Flûte alors, je crois qu'il n'y a vraiment rien de neuf aujourd'hui, si ce n'est... Oh ! Ah. J'ai retrouvé ma chaussette perdue derrière la machine à laver. Elle avait disparu depuis des mois. Marie ? Marie ? Arrête de nous... on s'en fiche, en fait. On s'en fiche de ce que tu nous dis. C'est pas assez... Tu n'as aucun intérêt, Marie. Tu n'as aucun intérêt là-dedans. Tu n'as vraiment aucun intérêt. Bon, donc du coup, on sort de chez nous. J'ai plein de choses sur moi, donc il va falloir que je vide tout mon inventaire. Bien entendu, on le sait. Avant ça, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, je voulais planter les petites fleurs parce que hier, donc je suis allé chez... une amie et elle m'a filé des roses et des anémones, donc du coup je les plante bien entendu pour vider un petit peu mes poches. Et là on va vider bien entendu le reste de notre inventaire, c'est sûr. Coucou, ton île est trop belle, moi on m'a effacé ma partie, du coup je dois tout recommencer. Mais non, qui c'est qui a fait ça, Audrey? Qui c'est qui a fait ça? Viens, on l'appelle. Je vais l'appeler, je vais l'appeler, donne-moi son numéro, je l'appelle. Pas possible. Bon, là on va mettre le ragtime kéké, regardez qu'on a. C'était la musique d'hier. La tenue est super. Ouais, vous avez vu, la tenue est cool, hein. Ah oui, parce que quand vous êtes pas là, moi, je me remets à des tenues cool. C'est pour vous faire plaisir que je fais des tenues moches, hein. Mais sinon, je me fais des tenues cool quand vous êtes pas là. Dès que le live s'éteint, tac, je me change, hein. Attends, c'est comme ça, hein. C'est comme ça. Allez, appelle, j'avoue. comment on fait pour avoir 4 lignes? Il faut que tu continues à avancer dans le scénario, dans les quêtes que te donne Kéké. Et ça ira très très bien. Bon, là je dépose un petit peu tout, bien entendu. Et ensuite on va aller essayer de trouver Porcelette, hein. Où est-elle sur mon île? On va voir. Ça nous donnera l'occasion de refaire un petit tour de l'île. Puisque vous verrez, l'île a un peu changé si vous n'étiez pas là sur les 3 derniers lives. Merci à Enloge pour ton sub. Merci à toi, bienvenue pour le premier mois. J'espère que tu vas kiffer. Aujourd'hui, on vend des petits navets. On ira bien entendu checker notre boîte aux lettres tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. On plante le dernier pied d'anémone. Et maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'on aille chez Mr. Tom Nook de manière à récupérer pas mal d'argent. Parce que là, vous vous doutez bien qu'avec 100 000 clochettes, on va pas aller loin au niveau des navets. Je vous rappelle que la semaine dernière, on avait acheté pour 270 000 clochettes de navets. Cette semaine, le but, c'est d'en acheter pour plus. Alors, plus, c'est quoi? Est-ce que plus, c'est 300 000? Est-ce que c'est 500 000? Est-ce que c'est 700 000? Est-ce que c'est 1 million? Est-ce que c'est 1,5 million? Est-ce que c'est 2 millions, 3 millions, 10 millions? Bon, 3 millions, c'est pas possible parce que je les ai pas. 10 millions non plus. On va voir. Et là, ils se sentent malins, les gens dans le chat, parce que j'ai marqué 1 million de navets dans le titre du stream. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Bon, là, alors, jugez pas, je vais galérer à me sortir 1 million. Regardez. Déjà, je me sors 14. Je sais pas pourquoi. Ensuite, là, je me dis, bon, ok. On va sortir 1 million. On va sortir 1 million. Du coup, je me dis, ok. Je vais mettre 1 400 000. Du coup, je mets 144. Et puis j'appuie sur les zéros et en fait je me sors que 144 000. Parce que je suis un peu un mec débile. Merci à Matslam pour ton sub également. Donc du coup là je me dis, allez c'est bon, c'est parti, on y va. Cette fois-ci on va vraiment prendre 1 million parce que ça va pas là. Ça va pas. J'ai du mal avec les chiffres, c'est comme ça. Eh les amis, ça fait longtemps l'école. Ça fait longtemps l'école. Depuis que le bac est en contrôle continu, j'en perds mon latin. J'en perds mon latin et mon algèbre. Je vous le dis. Une tenue de super-héros, mais pas super doué avec les chiffres. Alors, c'est pas une tenue de super-héros, d'accord? C'est pas une tenue de super-héros. C'est une tenue de prince charmant, d'accord? Elle s'appelle la tenue de prince charmant. Bon, Porcelette, où est-elle? Où est-elle? Vous avez vu, là, les petits trucs que j'ai mis? Pour pouvoir passer tranquillement sur le ruisseau? Incroyable. Incroyable. On cherche donc Porcelette.
Et là, je me dis, bah, elle est nulle part. Elle est nulle part. Porcelette, elle a pas popé sur mon île aujourd'hui. Voilà. Je me suis dit qu'elle a pas popé parce que je comprenais pas, tu vois. C'est beau. Ah ouais, bah, attends. On donne un peu du sien pour. Enfin, du sien, du moi plutôt. Pour faire cette île. Donc, notre rampe a poussé là. Ça y est, la rampe qu'on avait mise hier. Là, c'est notre école qu'on a construite hier. Mais malheureusement, toujours pas de porcelette. Et en fait, elle est là. Regardez, on la voit là-bas. Donc là, je saute sur les petites dalles là, que j'ai mises. Et c'est bon. Porcelette n'est là que jusqu'à 13h. Oui, mais ça a été tourné ce matin, Stella. Je sais. Hein. Jusqu'à 12h, d'ailleurs. Jusqu'à midi, oui, bien sûr. J'ai plein de bons navets de la bourse des navets. Et aujourd'hui, elle me les vend à 100 cyclochettes. Alors, c'est pas ouf. Mais avec 1 500 000 clochettes de dispo, j'avais clairement pas le temps de faire 6 ou 7 allers-retours dans la ville de quelqu'un d'autre. Donc je me suis dit 106 clochettes, bah écoutez, on part là-dessus, on va lui acheter les clochettes, tout simplement. Pas ouf du tout, ouais, mais voilà. Mais on va donc du coup acheter pas mal de clochettes, enfin pas mal de navets. Donc là on en prend 1900 dans un premier temps, ce qui me coûte 200 à 1000 clochettes. Ce qui vous laisse un petit peu estimer combien on va avoir de navets au final. Hein. Il va falloir d'ailleurs que je trouve un endroit pour les stocker. Et ça va être vite fait. Je vais pas aller très très loin pour les stocker. Vous allez voir. Ça va être plutôt pas mal. Moi, c'était 100. Ah ouais, bah 100 clochettes, c'est la moyenne. Parce qu'en fait, tu peux avoir des clochettes entre 80 et 120 clochettes à la vente. À la vente, elles sont entre 80. Enfin, ils sont entre 80 et 120 clochettes à la vente. Donc voilà, tout simplement. Tu as avancé le temps. Pas du tout. Comme marqué dans le titre du stream, no cheat, no time travel. Donc time travel, ça veut dire voyage dans le temps. Donc pas de voyage dans le temps. Pas de cheat, ça ne nous intéresse pas de procéder de cette manière. Nous, on joue à la legit, tout simplement. En manger 10, ouais, on va éviter d'en manger 10, Livin, voilà. EMB a pris 2 millions, ouais, j'ai entendu ça, mais c'est pas grave, c'est très bien qu'il ait pris 2 millions. Moi, je prends 1,5 million. Sachant que la semaine dernière, moi, j'avais pris que 270 000. Donc, finalement, moi, je passe de 270 000 à 1,5 million. Alors que EMB, il était à 1 million la semaine dernière et il est passé à 2 millions. Je comprends même pas pourquoi il n'a pas acheté pour 4 millions de navets ou un truc dans le genre. Moi, j'aurais été lui, j'aurais fait ça. Il a 8 millions en banque. J'aurais acheté pour 4 millions, personnellement, hein, si j'avais été lui. Mais bon, après, il fait vraiment comme il veut. Faut les stocker aussi, MDR. Moi, je vais les poser. On va tous les poser ici sur le haut de la map. Puisque c'est un haut qu'on n'a pas prévu d'aménager pour le moment en tout cas. Donc du coup, on va les laisser sur le haut de la map jusqu'à ce qu'on puisse les vendre, tout simplement. Comment tu fais pour avoir porcelette après 13h? Encore une fois, c'est une séquence qui a été tournée ce matin. Et puis, il est quand même possible d'avoir porcelette tout l'après-midi si vous avez envie. La solution, c'est vous connectez sur votre jeu à 11h59 maximum. Vous sortez dehors à 11h59, porcelette est là. Elle restera tant que vous n'êtes pas rentré dans un bâtiment. Donc vous n'êtes pas rentré dans un bâtiment, porcelette sera toujours là. Donc sachez que ça, c'est une petite astuce que vous pouvez savoir. Si vous vous levez, vous dites « Ah là, il est 11h50, j'aurai jamais le temps. » Eh bien, en fait, si, vous pouvez. Donc prenez juste soin d'avoir bien tout votre argent sur vous. Mais vous pourrez garder porcelette jusqu'à l'heure que vous voulez. Jusqu'à ce que vous l'ayez, eh bien, ruiné au niveau de ses navets. Voilà. Ça dégoûte le nez de porcelette, il est trop bizarre. Oh, ça va, c'est une petite goutte. Hein. Qu'est-ce que c'est? Hein, c'est pas très grave. Hein. De quoi? Elle va nous éternuer dessus? Nous filer le corona? Non, je pense pas. Les navets blancs servent à quoi? Tu les revends. Tu les revends ensuite. À Drey 2A également, devant toi, offert à Drey 2A. Merci à toi. C'est quoi des subs? C'est des gens qui soutiennent la chaîne financièrement. Donc, ils payent, qui payent 4,99€ par mois pour soutenir. Et... merci à Kiralov, justement, qui a donné un sub à Luca, à LVR. Donc, là, on prend 2900 navets. C'est ce qu'on avait pris la dernière fois. Rien que ça, c'est ce qu'on avait pris la dernière fois, les 2900 navets. Hein. Vous vous rendez compte de ça? Et merci à Dark Knight, encore une fois, pour les 400 bits. Merci à toi. Tu peux rassembler les clochettes. Tu peux pas rassembler les clochettes sur des sacs de plus de 99 000. Le max, c'est 99 000. Sache-le. Ce serait drôle qu'elle ramasse et qu'elle parte avec. T'imagines? Elle a l'air en plus de les regarder, hein, là, les navets. Hein. Donc elle est en mode, mec, qu'est-ce que t'es en train de faire avec mes navets? Un champ de navets. Ah bah là, c'est vraiment ça. Hein.
Là, c'est vraiment ça. Mais elle est beaucoup trop mignonne, Porcelette. Je la préfère, elle, à sa mère, en fait. Et ça y est, on a tout acheté. On a tout acheté. C'était notre dernière cargaison de navets. Donc là, du coup, bah, je vais les répartir un petit peu pour qu'ils soient un petit peu partout. Mais ça va être génial. Petite cargaison de navets, là. Ça va être beaucoup trop cool. Et voilà. Et puis là, donc, du coup, j'avais pris une petite photo pour eh bien, le tweet du live. Vous le savez. Et donc, du coup, on va pouvoir voir eh bien, ce qui se passe maintenant, tout de suite, à 13h33 dans le jeu. Et du coup, nous voici donc de retour dans Animal Crossing. J'étais toujours en mode photo. Et voilà, donc j'ai tout ça. Et regardez, en vrai, Porcelette, elle est toujours là. Et comme je vous avais dit, regardez, il est 13h33, elle est toujours là. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas encore re-rentré dans un bâtiment. Tant qu'on ne re-rentre pas dans un bâtiment, Porcelette reste. Elle ne s'évapore pas. Elle ne part pas. Voilà, tout simplement. T'as combien de navettes, du coup ? Eh bien, il va falloir qu'on compte. On va aller sur la calculatrice. J'avais 500 000 clochettes. J'avais 1 500 000 clochettes. Qu'on va diviser par 106. Et donc j'ai acheté. J'ai acheté 14 000. C'est ça. 14 150 navets. On a acheté 14 150 navets, les amis. On va pouvoir donc du coup retourner dans notre ville et voir un petit peu eh bien, ce qu'on a eu. Est-ce qu'on a eu des nouveaux hybrides ? Ça, ça nous intéresse de voir. Alors là, on a toutes les fleurs qui ont poussé, ça c'est très très cool. Pas de nouveaux hybrides à part la rose qu'on avait ici. Ensuite, ici, on a les tulipes noires, la tulipe noire surtout, qui a poussé. Donc ça, ça va être très très cool. Beaucoup trop cool. Et là, on a une autre tulipe rouge, eh bien, qui pousse. Donc pourquoi pas, c'est pas trop mal. Ce que je vais faire, c'est que cette tulipe rouge, je vais la prendre et la déplacer. Parce qu'on n'en a pas spécialement besoin à cet endroit-là. Boum. Ça, j'enlève ici. Et on va les placer par là. On va les placer par là, nos tulipes. C'est parti. Tulipe rouge, plantée. Boum. Et tulipe rouge, plantée. Voilà, là, on est pas mal. Et on a une autre. On a d'autres tulipes qui sont en train de pousser ici. Toujours des rouges. Donc, on les prend. On referme et c'est bon. Comment tu fais pour avoir des hybrides ? Tu mets les fleurs à côté, comme ça, en diagonale, on va dire. Pas forcément en diagonale, d'ailleurs. Tu peux les mettre en les unes à côté des autres, mais il faut laisser des espaces. Et il y a des couleurs d'association. Par exemple, de rouge, tu peux avoir une chance de faire des noirs. Tu vois, là, j'ai réussi à faire des noirs. Et il faut les arroser, bien entendu, tes plantes. Parfait. Alors, ici, est-ce qu'on a des nouveaux trucs ? Non, pas spécialement. Pas spécialement, si ce n'est qu'on a ça ici qu'on va récupérer. On va récupérer celle-ci là. Boum, qui est en train de pousser. Et on va récupérer celle-là aussi ici. Ce sera très bien. Et là, on est d'accord, j'en ai une là derrière. J'en ai une là derrière. Ah, j'en ai même deux là derrière. On n'avait pas vu. J'en avais deux. C'est parfait. Par ici, on a... Alors ça, c'est très cool, regardez. On a un hybride bleu qui a poussé ici. C'est beaucoup trop cool. Et sinon, sur le reste, on a rien qui a poussé, sauf peut-être là. Non, on n'a rien par ici. Petite astuce, hein, si vous voulez voir derrière les arbres, vous appuyez sur X. Et du coup, eh bien, vous aurez votre inventaire qui s'ouvre et l'arbre, en fait, s'enlève. Ça vous permet de voir derrière les arbres ou même derrière les maisons ou les choses dans le genre. C'est plutôt cool. Ça enlève eh bien toute la visibilité. Donc si vous voulez voir ce que vous avez, c'est plutôt cool. C'est mauve, non ? Ça, c'est mauve. Ça, DDG, c'est mauve. C'est pas mauve, hein. C'est bleu, hein. Il y a un daltonisme là certain de ton côté, hein. Ça, c'est pas mauve, hein. Là, on a eu eh bien, deux roses qui sont en produit, mais qui ont fait des roses blanches. Pourquoi pas ? Et là... Non plus. Au niveau des pensées, pas de reproduction de ce côté-là. Attention, on va prendre la mentor orchidée quand même. Je vois qu'elle est juste là. Voilà, on prend la mentor orchidée, c'est important. Je vois mauve aussi. Vous voyez mauve ? Les gars, attends. What ? What ? Ça ? Ça, vous voyez mauve ? Va y avoir en fait juste un test tout simple. Qu'est-ce qu'il y a marqué là ?
Bouton d'anémone bleu. Bleu. Pas mauve. Bleu. Bleu. Putain, vous êtes vraiment des... Tous ceux qui voient mauve, là, c'est que vous êtes daltoniens. Vous êtes daltoniens, les amis. Hein. Tous ceux qui voient mauve, hein. Sachez-le. Donc, peut-être que vous n'étiez pas au courant que vous étiez daltonien. Et bien, maintenant, vous le savez. Vous le savez. Si vous voyez mauve, eh bien, vous êtes totalement daltonien, en fait. Voilà. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Et voilà. Et voilà. Oh là, c'est dur. Hein. C'est dur. Hein. C'est dur pour vous de découvrir comme ça, sur le tas, que vous... en fait, vous êtes daltonien, mais bah, pas de souci. Il n'y a pas de souci, c'est ainsi. Hein. Ainsi va la vie. Hein. Oh ! Oh, une autre ! C'est noir, ça ! On a une autre tulipe noire ! On a une autre tulipe noire qui est en train de pousser ! Yes ! Yes, une autre tulipe noire. Incroyable. Et on a une tulipe orange ici. Ça va être génial. Donc, on a une autre tulipe noire. Super. Notre deuxième hybride noir. Ça va être très, très cool. Alors... Oh, c'est quoi ce papillon là? C'est quoi ce papillon là? C'est quoi ce papillon? On l'avait pas celui-là. Super. Tu as attrapé un troïde Brookiana. Bah moi je connais pas troïde Brookiana. Je connais pas. Hein. Je ne connais pas troïde Brookiana moi. Alors on a des blancs, des jaunes qui sont arrivés par là. Là, on a un nouvel hybride violet. Rose. Là, on a un autre hybride rose. Et c'est pas mal, hein. Et c'est pas mal, hein. C'est pas mal, on est pas mal, hein. Ça se vend 2500, mais c'est surtout qu'on l'a pas déjà, en fait. Donc, il va falloir qu'on l'amène au musée, en fait, tout simplement. Mais oui, oui, c'est intéressant à savoir, en tout cas. On va aller prendre un petit peu ce trou. Hop. Et c'est parfait. Tu peux montrer ta bébétopédie. Ouais, carrément. En vrai, c'est vrai que je l'ai jamais vraiment. On la regarde rarement. Voilà dans les insectes. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a dans les insectes. Et ça, c'est ce qu'on a dans les poissons. Poissons, on en a pas mal, hein. Dis donc. Hein. Poissons, on en a vraiment pas mal. Hein. Insectes, on en a un peu moins. Mais voilà. Voilà pour ceux qui voulaient voir la bébétopédie. On va aller voir un petit peu ce qu'on a dans notre courrier. Ouh, on a pas mal de cadeaux là. Cadeau pour toi, Zampil a pensé que tu te sentais peut-être à l'étroit dans ton petit lit. Du coup, voilà. Merci à Luana, 2309 pour ton sub, merci beaucoup. Donc ça doit être un grand lit du coup. Camille qui nous a envoyé, je voulais te remercier pour tout ce que tu fais pour moi. Et j'ai donc décidé de te faire parvenir un petit cadeau. J'espère que tu auras plaisir à recevoir cette modeste enseigne des années 50. Oh! Ça va être cool, ça. La JD! J'ai dépassé les 30 000 points de ma maison. Ok, voici un petit cadeau pour marquer le coup en espérant qu'il te plaira. Eh ben, merci. Merci. Bien sûr que j'ai dépassé les 30 000 points vu que je suis à 62 000. Les gars. Camille qui nous dit pour que tu sois bien habillé. D'accord, ok. Camille qui nous dit cadeau, encore une fois. Et Arthur, donc Sentiture, qui nous dit « J'ai trouvé ce bomber dans mon atelier des sœurs doigts de fée. Aujourd'hui, j'espère qu'il t'ira. » Eh ben écoute, qu'il te plaira surtout. Eh ben écoute, on va voir ça. Alors, regardons un petit peu ce qui nous a été offert. Tu as acheté les navets à quel prix? 106. Donc il faudra, on essaiera de les revendre au moins à 600. Quoi. Au moins à 600. Alors, ouvrir. Donc ça, on a... Un Lijon. Une enseigne années 60. 50 d'ailleurs. Plaque à JD argent. Veste décontractée. Un pantalon de bureau. Et un bomber. Alors, le pantalon de bureau. Alors, on va tester. C'est un pantalon blanc en fait. C'est juste un pantalon blanc. Le bomber. Ok, il est mims. Et la veste décontractée. D'accord, ok. Ah oui, tu voulais vraiment que je sois tout en blanc, toi. Hein. Ok, pour le moment, on va garder ça, mais c'est possible qu'on change. Le Lijon, à quoi ressemble-t-il? Ah, il n'y a pas assez de place? Comment ça, il est beaucoup trop grand, alors? Ah non, mais c'est pas le Lijon, ça, c'est la plaque AJD, je suis bête. Le mec qui ne sait pas. Lijon, pardon. Ah oui, c'est vraiment un lit double, quoi.
Ah mais moi j'ai pas, j'ai, alors excusez-moi mais j'ai pas la place dans mon petit truc hein. Moi je suis célibataire, hein, pas besoin du lit double hein, là pour le moment. C'est très très gentil mais pas besoin du lit double pour le moment. Pour le moment pas besoin du lit double. Donc on va faire ça. Hop. La barbe c'est un accessoire? Ouais c'est un accessoire la barbe, donc on l'enlèvera peut-être. Donc Lijon, on entrepose. Enseigne année 50. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Placé. Oh! Attends, je peux pas tourner. Waouh! Et je peux l'allumer ou pas? Ah oui, ça c'est allumé, ça c'est éteint. We are open! Waouh! C'est incroyable! Devant le Nook Shop. Ouais, mais j'ai déjà pas mal de choses devant le Nook Shop. Je pense que je vais le mettre autre part. Mais beaucoup trop cool. Je suis beaucoup trop content. Et la plaque HD argent, eh ben on va la mettre là. Tac. Posée au mur. Voilà. Notre deuxième plaque HD. On a la bronze, on a l'argent. Vivement qu'on ait l'or, tout simplement. Stylé. NT, ouvre un resto et mets ça, STP. Ouais, faudra ouvrir un resto, quoi. En vrai, je suis pas contre le fait, les amis, de créer d'autres utilisateurs sur la Switch et de faire en sorte de leur de faire que les maisons soient des trucs. Mais vous verrez, mais ça peut être cool en soi. On verra si je ferai ça, mais je pense que ça peut être une bonne idée de créer d'autres utilisateurs sur ma Switch, leur faire faire des comptes et faire un endroit où il y a un resto, faire un endroit où il y a d'autres trucs, tu vois. Ça peut être grave cool. Mais pour le moment, c'est pas au projet. C'est pas au projet. On va, hop, alors, ça on enlève. Je vais déposer les fleurs, planter, planter. Ça c'est mon débarras de fleurs. Hein. C'est les fleurs qu'on sait pas trop où est-ce qu'on les met. Donc pour le moment, on les met au débarras de fleurs. Planter, planter et planter. Voilà, ça c'est parfait. Alors, hello toi. Parfait. C'est sympa ce mélange de fleurs. Bah, c'est notre débarras de fleurs. C'est notre débarras de fleurs. Il n'y a pas plus intéressant que ça. Maintenant, là, on pourrait poser 10 000 clochettes, mais on n'a pas 10 000 clochettes sur nous. Donc la question ne se pose pas. Par contre, là, est-ce que ce serait pas une carpe koi, ça? Est-ce que ce serait pas une carpe koi? Je me demande. Eh non, c'est juste une carpe. C'est juste une carpe classique. Donc non. Non, non, non. C'est juste une carpe classique. Tous les jours, il y a quelqu'un qui demande d'avoir le musée. Ouais, tous les jours, il y a quelqu'un qui demande d'avoir le musée. Mais aujourd'hui, on est dimanche. Donc en général, dimanche, c'est la visite du musée. Donc il y aura une visite du musée aujourd'hui. Allez, on va aller faire un petit tour du musée parce que je sais que vous avez envie. On va le faire rapidos, hein, comme d'habitude. Le petit tour rapidos. Attendez, j'ai plein de trucs à récupérer dans les Nook Miles. Donc allons-y, faisons le petit tour rapidos du musée. Hop, avant ça, je récupère les Nook Miles. Alors, prendre une photo. Boum. Les fossiles. Boum. Ça, c'est bon. Hop. Tout ce qui grouille. 40. On arrive à 35 000. Et on a encore des trucs. Décorateur décoré. Ah, yes. Parce qu'on est beaucoup trop fort à l'académie. Et on est bien. Alors, voilà, voilà. Ici, on a des petites araignées, des petits trucs, des machins. Une cicindelle qui saute. Là, on a une araignée dans l'arbre. Boum, boum, boum. Voilà, voilà. Vous l'avez vu. Ensuite. 36 000 miles. OMG. Je fais pas exprès, hein. Je fais pas exprès, les gars, d'avoir des miles. Ici, on a les Lydie. Les Lygie. Les Lygie. Ah! Salut, Odile! Mais qui voilà, Julien? Contente de te voir, Croquignou. Et si on discutait? Dis-moi, Julien, tu es venu voir un insecte en particulier? Ok, tu t'en fiches de ma réponse, en fait. Là, on va avoir tout ce qui est fourmis, tout ce qui est trucs dans le genre. Là, on n'a rien par ici pour le moment. Là, on n'a rien. Là, on a la menthe orchidée. Là, on a du papillon. Odile est tellement pas d'allure, lol.
Là, c'est le coin des papillons qui est de plus en plus ouf. Coucou, Olivia! Couleurs vives, motifs audacieux. La grillasse est prête à défier sur les podiums. Julien, c'est toi qui as fait don de cet insecte au musée, non? Quelle beauté! Et ouais. Bon, c'est la meilleure salle, hein, celle des papillons, hein, en vrai. Hein. C'est la meilleure salle. Là, on a. Je sais pas trop ce que c'est. Là, on a des trucs. Voilà. Là, par là. Qu'est-ce qu'on a? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Ah, là, il y a le superbe papillon qu'on vient de choper. Très cool. Et on a fait le tour des insectes. Voilà. Ça, c'est déjà fait. Parfait. Le tour des insectes est fait. Ils auraient dû faire un système que quand tu as déjà donné un fossile ou autre, que tu saches qu'ils l'ont déjà dans le musée. Bah oui, c'est ça le système en fait. C'est juste que les fossiles, il faut les faire expertiser avant. Donc tu vas, tu lui fais expertiser, et une fois qu'il les a expertisés, il te dit, ah, bah ces fossiles-là, on les a déjà ou on les a pas. Mais c'est exact, c'est le système en cours en fait. C'est ça. Oh, il y a la carpe koi dans la fontaine. Ouais, c'est ça. Donc là, ah voilà, on commence à avoir plus de trucs par là. Surtout à gauche. À droite, on n'a rien. À droite, on n'a rien. Ça me fait penser. Cette salle-là, elle me fait penser à l'épisode de Black Mirror. Je crois, dernier épisode de la saison 4. Le Black Museum. Ou Black Mirror Museum. Je sais plus comment il s'appelle. Black Museum, je crois. Voilà. Cette salle-là, elle me fait vraiment penser à ça. Pour ceux qui ont regardé Black Mirror. T'as vu l'ambre? Ouais, j'ai vu l'ambre. J'ai vu l'ambre. Alors, qu'est-ce que ça donne dans cette salle? Alors, maintenant qu'on m'a dit que je pouvais aller sur le truc. Voilà. Pas mal. Pas mal cette salle quand même, hein. Commence à avoir de la gueule, hein. Commence à avoir un peu de la gueule, hein. Bon, il manque toujours sa tête à lui. Mais commence à avoir un peu de la gueule, hein. On peut le dire. On peut le dire. Je savais pas qu'on pouvait voir comme ça. Tu vois, voilà, en te mettant sur le truc bleu, bah tu peux voir comme ça. Là, ça commence à être un peu mieux. Ouais, on commence à avoir des trucs. Là, c'est quoi? Eh ben, c'est Xerneas, ça, non? C'est Xerneas, hein, je crois. Ça, c'est fou, vous êtes plein à dire, on dirait Xerneas. Allez, on termine avec les poissons dans ce musée. C'est quoi ta salle préférée? Les poissons. Les poissons, regarde. Moi, je trouve ça beaucoup trop cool. Les poissons sont beaucoup trop cool. Ouais. C'est des belles salles. C'est des belles salles qu'on a par ici. C'est vraiment trop trop beau. Non, les poissons, c'est le mieux. On est d'accord. T'en as beaucoup, dis donc. Eh ouais. Eh ouais, j'ai pas chômé, hein. J'ai pas chômé, hein. Voilà, là on a ça. Ici. Ah, on a trois poissons du coup. On a le poisson lanterne, on a le céacanthe et on a le poisson ruban. Très très cool. C'est quoi le gros poisson dans l'angle de la précédente salle? C'est un truc que tu trouves dans. Que tu trouves en été. C'est un truc que tu trouves en été. Alors, moi, je suis allé dans une île de l'hémisphère sud la semaine dernière. Ou il y a même 2 semaines. Et du coup, je l'ai eu. Je l'ai eu. Voilà. Et ici, on n'a encore pas grand-chose. Hein. On n'a encore pas grand-chose. Et on sort sur la superbe musique de 14h, comme dirait Akaxilia. Donc, ouais. Incroyable, on est vraiment trop trop content. On est beaucoup trop content. Parce que c'est clairement notre musique préférée. Non, pas la musique de 14h, c'est vrai qu'elle est horrible. Alors, on a un arbre à chat, on va avoir une bougie, on va avoir un set de vaisselle, donc ça, on va acheter. Le set de vaisselle, on achète. Carrément.
on prend. Je persiste pour dire que c'est laid. Non, regarde, on sait qu'ils sont ouverts. On sait qu'ils sont ouverts. We are open. Et là, ils sont fermés. Et là, ils sont ouverts. Pas beau. Oh là là. Vous avez pas le sens du... Vous avez pas le sens du style, en fait, c'est tout. Vous allez voir, là, vous allez prendre une leçon de style maintenant. Vous êtes prêts pour votre leçon de style? Est-ce que vous êtes prêts pour votre leçon de style? Je pense que vous n'êtes pas prêts. Déjà, je vais te parler à toi. Coucou, je ne peux pas me détourner de ma machine une seconde, mais eh bien, merci d'être passé. Comme je le disais, c'est gentil d'être passé nous voir. Layette, ouh, Layette, un client pour toi. Oh, tout de suite. Ok, ok, ok. Vous êtes prêts pour la leçon de style? Vous êtes prêts pour votre leçon de style? Ah, ils sont cool, elles sont cool les marinières. Les marinières sont grave cool. Ah bah moi aussi j'ai le bomber. Ok, moi aussi j'ai le bomber. JPP. Alors attends. Attends, attends. Parce que je regarde un petit peu tout ce qu'on a et après on voit. On verra après. Ouais, ouais, ouais. Alors la bulle de chewing-gum, c'est juste ultra cute en fait. En fait, c'est juste ultra cute. J'adore. J'adore. Ok. On va se faire un truc pas trop dégueu aujourd'hui, hein, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on va se faire un truc pas trop dégueu. J'ai l'impression que ça va passer en vrai. Hein. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on va être pas trop mal. Ouais. Ok. Au niveau des bas. Ça c'est pas ouf hein, ces trucs là. Ouais, ouais, ouais. Et au niveau des hauts. Alors attends, les ensembles on avait quoi? C'était pas ouf. Par contre, au niveau des hauts. Bah écoute, on peut être pas mal hein, en vrai. Hein. Voilà, moi j'adore. C'est bon, j'ai notre tenue. Gilet jaune aujourd'hui, on sera gilet jaune. On sera gilet jaune aujourd'hui. Voilà. Magnifique. Voilà votre leçon de style. Voilà votre petite leçon de style. J'espère que vous avez kiffé. J'espère que vous avez kiffé cette leçon de style incroyable. On dirait un enfant qui va à l'école. Avec le gilet? Beaucoup trop drôle. Trop drôle, j'adore. J'adore. Donc là, on va essayer de relier l'école. On va relier l'école. Donc l'école est là. L'école est là, les amis. Donc il faut qu'on relie l'école au reste de la vie. Parce que sinon, ça ne va pas. S'il n'y a pas de chemin pour aller à l'école, il n'y a pas d'école. Et s'il n'y a pas d'école, c'est le confinement. Et est-ce qu'on est en confinement dans Animal Crossing? Il ne me semble pas. Donc, essayons d'être cohérents dans ce qu'on fait. Ok. Voilà. Bien entendu, on déplacera les arbres. Hein. Comme à notre habitude. On le sait. Voilà. Boum. Ok, on est pas mal. Mmh.
Anti maçon, c'est un peu ça. C'est un œuf, ouais. C'est un œuf, donc on s'en fiche. Quand c'est les œufs, on s'en fiche. Si c'est, si c'est un cadeau normal, on prend maintenant. Parce que les œufs, on en a marre. Les œufs, on en a un peu marre. Autant vous dire que les œufs, ça nous a un souya choulé. Un souya choulé. Pas un souya choulé, ça c'est autre chose. Voilà. Bon, et ça, c'est pas un œuf. Ça, c'est un cadeau normal. Ça, c'est encore un œuf. Trop loup. Là, on a notre petit jardin de fleurs, mais à terme, il va. Il va jarter. Il va jarter, parce que là, on aura notre terrain de foot, en fait. Là, on va avoir notre terrain de foot. Donc, le jardin de fleurs, il va bouger. Ouais. Il bougera en fait. Ici on aura notre terrain de foot. Ah oui, il va vraiment y avoir un terrain de foot. Hein. Je sais que ça vous étonne, mais il va vraiment y avoir un terrain de foot. Hein. C'était pas une blague. Ce n'était pas une blague. Alors on le fera pas aujourd'hui parce que j'ai pas acheté les cages de foot. Mais il y a moyen que demain on fasse le terrain de foot. Hein. C'était pas une blague hein, quand je disais qu'on allait faire un terrain de foot. Hein. Ok. Alors vous. Arrondissez-vous. Vous arrondissez-vous. Voilà. Pour le moment, on met ça comme ça. Ça, c'est un bleu. C'est un ballon, quelle couleur? C'est un ballon bleu. Ah, celui-là, il nous intéresse. Celui-là, il nous intéresse. Où est-il? Il est là-bas. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Des pépites de fer. Eh ben, on valide, on prend. On prend les pépites de fer. Ça, c'est très intéressant. Voilà. Tac. Ça, c'est fait. On a les petites clôtures par là. Voilà, on a rajouté des clôtures. C'est cool. Marie, elle va être contente. Et là, faudra que je me fasse le tour de ma maison. Parce que de toute façon, je pourrais pas me faire de plage privée. Parce que j'ai pas moyen de bloquer le passage. Donc la question se posera pas, il y aura pas de plage privée. J'aurai un accès privé à la plage, ouais, si vous voulez. Mais pas de plage privée, moi je veux pas. Pas mal, hein. Je suis à deux doigts d'aller demander à... Ah, attends, non, il y a ici, il faudrait juste qu'on fasse du sol. Faudrait qu'on fasse du sol par ici, chemin de terre. Voilà. Voilà. Oh, les roses ont bien poussé. Ouais, t'as vu, hein, sympa, hein. J'ai fait un cœur. Ah, j'ai fait un cœur. Ah. J'ai fait un cœur. J'ai fait un cœur. Les gens. J'ai fait un petit cœur. C'est magnifique, on adore les cœurs. Franchement, les cœurs, c'est moi, c'est ce que je préfère. Mm-hmm.
Mais du coup, est-ce qu'on peut pas... Genre... C'est bon, vous êtes en train de comprendre ce qui va se passer là? Vous êtes en train de comprendre ce qui va se passer là? Vous êtes ébloui? Est-ce que vous êtes ébloui? Vous êtes ébloui par ce qui va se passer en fait? Là, vous vous dites, mais Nutsitov, mais d'où te viennent ces idées? D'où te viennent toutes ces idées? C'est juste incroyable. Comment tu fais ça? Et moi, je vous dirais que c'est le talent, mais ce serait pas assez humble. Donc, on va dire que ça m'est venu comme ça. On va dire que ça m'est venu comme ça, sur un coup de tête, mais bon. C'est principalement le talent, hein, disons-le. Hein. Après, j'ai peur qu'on puisse pas le faire, là. Ah, si, c'est bon. Alors, non. Hop, voilà. Là, comme ça. Un génie. Un génie. Un génie parmi les humains. Hein. Un génie parmi les humains. Hein. Parmi les hommes. Hein. Et vous avez de la chance hein, que je sois descendu de mon petit nuage pour venir. Pour venir à votre rencontre, quoi. Parce que franchement, moi, je suis. Je suis plutôt pas mal. Hein. Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est magnifique. Est-ce que quelqu'un a déjà pensé à faire ça sur les internets? Suis-je le premier à faire ça? Je sais pas. Mais franchement, je trouve ça incroyable. Juste... juste trop beau, quoi. Ne cherchons plus, hein. C'est magnifique. J'en ai déjà fait un hier. Ouais, mais est-ce que tu en as fait 4? Est-ce que tu en as fait 4, cher ami? Me semble pas. Ça va ressembler à un trèfle à 4 feuilles. Pam! Oh là 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 là. Cette place! Mais cette place! Elle est incroyable. C'est juste incroyable. Normalement, c'est impossible d'être monté à 5 étoiles parce qu'on a plein de navets par terre. Et donc, son truc, ça va être. Elle va nous dire. Tu es toujours à 3. J'étais à 4 hein, hier, hein, Mister Nat. Hein. Tu es toujours à 3. Les gens ne savent pas. Hein. Les gens ne savent pas à quel point on est propre. Là, tu vas retomber à 2 étoiles. Bah, c'est possible à cause des navets. On a quand même mis 142 stacks de 100 navets. Il y a moyen qu'on ait baissé. Hein. Vous aimeriez savoir la réputation de Lentil. L'attaque actuelle de Lentil est de 4 étoiles. On est resté à 4 étoiles, donc c'est parfait. Notre île figure en très bonne place dans plusieurs classements des meilleures destinations touristiques. Laissez-moi vous lire l'un des commentaires que j'ai rassemblés. J'ai commencé à venir sur cette île parce que mon frère y a emménagé. Mais elle m'a tout de suite plu. Tant d'agglomérations sont si lumineuses qu'on peut à peine y voir les étoiles la nuit. Mais ce n'est pas le cas d'Entil. Monsieur? Monsieur, vous avez un point d'interrogation avant Entil. Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui est passé? Qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a une erreur de syntaxe. Excusez-moi. Excusez-moi. Animal Crossing. Vous avez été repoussé de septembre 2019 à mars 2020. Et vous laissez des points d'interrogation dans des phrases comme ça en plein milieu. Ah ah. Je reviendrai régulièrement y admirer les cieux. Fin de citation. Une remarque qui revient souvent est que l'île manque de paysages mémorables. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Une seule manière de remédier à ce problème. Décorer l'île de fond en comble, ou plutôt de falaise en plage. Je sais que le Nookstop propose des objets. Il y a encore un point que j'aimerais aborder.
On m'a signalé qu'il y avait beaucoup d'objets qui traînaient par terre un peu partout sur l'île. Essayons de faire de notre mieux pour que notre île soit propre et bien rangée. Ça peut même être un bon moyen de s'enrichir. En effet, la boutique peut acheter les objets. Ok. Ok, donc en fait, tu m'as dit ça juste pour faire passer la pilule de « il y a des objets par terre ». Ok. Ça, c'est pas... Et donc, du coup, on n'a pas décoré les plages. Tu pourrais faire une arrivée d'arbres en fleurs. Non, ce sera une arrivée de cocotiers. Mais l'idée n'était pas mauvaise. Mais ce sera une arrivée de cocotiers. Parce qu'il va falloir qu'on mette des palmiers. Pour mettre des palmiers, il faut qu'il y ait un sol comme ça. En fait. Pour avoir des palmiers, il faut qu'il y ait des sols comme ça. Sachez-le. Merci à Natix, NTX pour le Prime. Ça fait très très plaisir. Merci beaucoup. Cool l'idée des cocotiers, ouais. On peut se faire du coup une allée de cocotiers. Pour ça, soit je mets une ligne de sable qui va de là jusqu'à là-bas. Comme ça. Soit je fais autre chose. Et du coup, ça me fait me rendre compte que c'est mieux, du coup, d'utiliser... Bah, tu t'en vas ? Excusez-moi. Carte d'embarquement, s'il vous plaît. Ah, vous l'avez oublié. Très bien. Bah, pas de souci. Mais revenez une fois que vous l'aurez. Il y a zéro souci. Hop. Ah, vous avez trouvé la carte d'embarquement, madame? Elle est incroyable. Elle est incroyable, elle est arrivée en courant. C'est nickel comme ça. En fait, c'est surtout qu'est-ce qui te plaît. Bah moi, ça me plaît, en fait. Tu vois, ça peut être ma petite plage à moi. Avec ici un feu de camp. Poum, 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 poum. Voilà, là elle est pas mal déjà. On est d'accord, on peut rien mettre au sol sur la plage. Ah, on peut pas aménager la plage. En effet, c'est bien ce que je me disais. Non mais j'en étais sûr. Et je sais pas si je peux faire un truc avec les lots de piquetron. Ah, ça fait un peu plage. C'est pas mal en vrai. Ça fait un peu plage privée là, c'est cool non? Mettre des serviettes de plage. Moi j'ai pas les serviettes de plage. J'ai pas de transat non plus. Enfin si, j'ai les transats en bois quoi, c'est tout. T'avais pas dit que tu voulais pas de plage privée? Ah oui, mais elle est pas vraiment privée parce que tout le monde peut y aller. Mais elle est un peu plus sauvage. C'est pas la plage privée, c'est la plage sauvage ici. C'est ça que vous avez pas compris. D'ailleurs, pour accéder à cette plage sauvage, on va... Ça va être génial ça. Va falloir que j'enlève par contre ces roses là, donc ça va être relou. Je peux me faire un accès. Voilà, plage privée. Arrêtez! C'est pas une plage privée! Les gars, c'est pas une plage privée. C'est... Tout le monde peut y aller. C'est juste que j'espère être le seul à aller dessus. C'est pas la même chose. On peut se faire l'accès à la plage privée par ici. En utilisant une technique assez ancestrale. Qui s'appelle la technique du... Il y a du sable, donc il y a la plage. J'ai dit accès à la plage privée? Je crois pas... Je suis pas sûr... Je suis pas sûr que c'est vraiment ce que j'ai dit. Je pense que vous êtes juste très urbains tous. Et que vous allez très vite en besogne en fait. Voilà. Et comme ça on a notre petit accès à la plage. Privée. Secrète. Secrètement privée. Privée de secret. C'est propre, c'est valide. Le panneau est 70 sur la plage. Vous avez pas vraiment compris ce qu'il y avait marqué sur... sur le panneau. D'où l'intérêt du cours d'anglais demain. D'où l'intérêt de vous faire un petit cours d'anglais. Parce que... En fait, il y a marqué « We are open ». D'où la plage, c'est un « oui » déjà.
avant de parler de si la plage peut être ouverte ou pas. À quel moment la plage c'est un oui? Les grains de sable ils arrivent, ils font ouais, on est ouvert. Non, c'est faux, hein. J'essaie de faire un truc naturel et donc du coup je m'y reprends à 12 fois parce que je me dis non, mais là c'est pas assez naturel. Non, là ça va pas trop. Voilà, là c'est bien. Là on est bien. Là on peut être à 4 dessus. Ah, si, on peut monter sur celui-là quand même. Oui, on peut monter sur celui-là. Voilà. On peut être à 3 comme ça autour du feu. Et là c'est pas mal. Et bah écoutez, c'était un plaisir de faire ce live avec vous. Merci à tous d'avoir suivi ce 18e épisode, ce 18e jour sur Animal Crossing New Horizons. On se retrouve comme d'habitude demain à midi pour le jour 19. Et puis si vous voulez découvrir le jour 19 dès maintenant à 13h en live, eh bien ça se passe sur twitch.tv/newsiteuf. On était encore énormément nombreux aujourd'hui. Peut-être qu'on sera encore plus nombreux demain. N'hésitez pas à passer en tout cas. Restez comme vous êtes car vous êtes super, c'était Newsiteuf. Bye tout le monde!